Laure Manaudou est-elle en couple? Alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a eu lieu le vendredi 26 juillet 2024. Les premières compétitions de cet événement sportif ont d'ores et déjà débuté. Ces dernières seront diffusées en clair sur les antennes du groupe France Télévisions. Pour commenter les épreuves de natation, le groupe audiovisuel public a une nouvelle fois fait appel à l'ancienne championne olympique Laure Manaudou. Pour rappel, la célèbre nageuse était âgée de seulement 17 ans lorsqu'elle a fait sensation en 2004. Durant les Jeux olympiques d'Athènes, Laure Manaudou a remporté la médaille d'or sur l'épreuve du 400 mètres nage libre. Par la suite, la sœur de Florent Manaudou s'est adjugée deux autres médailles au cours de cette même Olympiade. Laure Manaudou s'est révélée aux yeux du grand public à Athènes en 2004. En effet, Laure Manaudou avait décroché la médaille d'argent sur 800 mètres nage libre. Mais aussi la médaille de bronze sur 100 mètres d'eau. Il s'agissait à l'époque d'un exploit totalement inédit pour une nageuse française aux Jeux Olympiques. Peu après, la jeune française est devenue la nouvelle coqueluche des bassins. Par la suite, elle décrochera trois titres mondiaux, mais aussi de nombreux titres européens. En revanche, Laure Manaudou ne parviendra pas à obtenir d'autres médailles lors des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin et de 2012 à Londres. Cette année-là, la nageuse s'était surtout faite remarquer pour avoir sauté dans les bras de son frère, Florent Manaudou, après le sacre de ce dernier sur 50 mètres nage libre. À l'époque, elle officiait déjà aux commentaires pour France Télévisions. Depuis sa retraite sportive, Laure Manaudou a principalement fait parler d'elle pour sa vie privée. La nageuse a tout d'abord vécu une idylle amoureuse avec Frédéric Bousquet, lui aussi nageur professionnel. Ensemble, ils ont donné naissance à une fille baptisée Manon en 2010. Quelques années plus tard, l'ancienne sportive s'est affichée au bras d'un artiste révélé par le télécrochet The Voice sur TF1. En effet, Laure Manaudou a vécu une histoire d'amour très médiatisée avec le chanteur Jérémy Frérot. Ils se sont mariés le 12 mai 2018 dans les Landes. De cette union sont nés deux enfants prénommés Lou, 2017, et Sacha, 2021. Finalement, le couple s'est séparé en 2024. Depuis, l'ancienne nageuse n'a, semble-t-il, pas encore retrouvé l'amour.